Salut tout le monde, aujourd'hui petite session dans les deux étangs que vous voyez derrière moi. Là il y en a un grand et un peu plus petit derrière. Donc pour ceux qui me suivent, vous devez connaître, j'avais fait déjà un brochet de un petit peu moins de 80 ici. Donc il a plu là depuis 2 jours, donc je pense que ça devrait un petit peu bouger. On sait qu'il y a de la perche, du brochet, donc j'ai envie de m'amuser un petit peu. Là c'est pas des gros carnassiers, mais on peut en toucher un petit peu, donc voilà. On va essayer, on va voir ce que ça donne, et puis bah on se reprend tout à l'heure. Pour l'instant rien dans le premier étang, petit leur soupe jaune là, j'ai équipé un petit leur soupe que j'ai gagné justement dans un concours. Il est super parce que je trouve la queue chade, elle est vraiment très très bien, très souple. J'essaierai de vous trouver le nom du leur pour vous le mettre dans la vidéo parce qu'il est vraiment très très bien. Et franchement, si j'arrive à retrouver le nom, je vous conseille de l'acheter parce que en termes de nage, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Si un brochet voit ça, j'espère qu'il va pas me couper quoi, parce que je pense qu'ils l'ont gagné assez facilement. Ah, je suis dégoûté les gars, j'ai loupé un brochet, je l'ai vu là, je l'ai vu attaquer, j'ai vu son flanc, j'ai loupé juste là, mais il s'est piqué, donc ça fait un peu chier. Ah oui, ça y est. Oh putain. Ah lui il a faim les gars. Trois fois les gars il est venu. Ah putain, moi il est pas gros. Ah dommage, il est venu trois fois les gars. Ah je pensais pas qu'il reviendrait. Il s'est piqué les trois fois quoi. Incroyable. Bon là par contre je pense qu'il reviendra pas. Ah je suis dégoûté. Ah c'est un petit 50 je pense. C'est toujours plaisant sur un petit leurre comme ça. Mais jamais, il va peut-être revenir mais... Je sais pas si c'est lui ça. Je l'ai pas vu. On va peut-être changer de leurre. On lance une fois, on va changer de leurre pour voir. Bon les gars, après avoir
Eu quelques attaques sur le petit leurre souple. Là, je vais rester en leurre souple. Mais je vais tester un leurre, là, le 4D Play. Voilà, je sais pas si vous connaissez. C'est un petit leurre souple avec équipé d'un triple en dessous. Qui nage en surface en fait, qui s'anime tout doucement vraiment. Quand il va descendre dans l'eau en fait, il va faire une animation très très feuille morte en fait. Il va descendre un peu comme un poisson malade. Et donc c'est vrai que j'ai pas pêché beaucoup avec ce leurre là. Mais j'ai envie de le tester comme on a eu tout à l'heure une petite attaque de brochet. Pourquoi pas faire un brochet avec ce leurre là. Donc on est passé quand même sur un leurre un peu plus gros du coup. Et j'ai envie de le tester. Vous pouvez le voir, quand je ramène une nage en surface, en fait, il remonte. Et si je le laisse descendre, regardez, il descend vraiment comme une feuille morte. Donc je pense que les attaques se font vraiment à la descente. Hein. Allez, c'est incroyable. Je le mets en surface, il descend, hop, comme une feuille morte. Vraiment, la descente est magnifique. Hein. Donc je pense qu'il faut vraiment garder. Ouais, dans les herbiers, ça va pas le faire par contre. Faut vraiment garder son fil tendu à la descente. Parce que je pense que les attaques doivent venir pas mal à la descente. Yes, poisson les gars. Oh dommage. Oh le raté. Oh putain. Ah, il était pas mal. Il est sorti de sous les herbiers là. Ah, il était pas mal. Ah, j'ai vu l'attaque en direct et tout, c'était beau. C'était beau, c'était beau. Il a jailli de sous les herbiers là. Ah, c'était beau. Je suis pas sûr que vous ayez vraiment bien vu le brochet. Parce que c'est vrai que la caméra filme assez large là. Mais c'était du 50-60, il était beau. L'attaque en direct et tout, c'était pas mal. Dommage. Il s'était piqué au début et puis il s'est dépiqué. Ah, c'est dommage. Bah, deux ratés ce soir. Hein. C'est pas fini, mais je pense que ça va être compliqué maintenant. Ah, je l'ai bien vu jaillir, il était vraiment sous les herbiers, là, la dernière touffe. Superbe attaque. Oh, bah je retire ce que j'ai dit, les gars. Ça y est. Yes. Ah, super, le spinnerbait les gars, aïe aïe aïe, mon leurre favori, oula il a le fil dans la bouche, on va vite le ramener, sans envie qu'il me coupe, ah là là, le spinnerbait les gars pour le brochet, hein. Qu'est-ce qui fait ses preuves ce leurre exceptionnel, ouais, je peux le dropper, il est pas si gros que ça, superbe, super. Ah, il est bien piqué. Hein. Clac. Ah, il avait le fil entre les dents. Hein. Hop. Super brochet, les gars. Bon, ouais, deux d'affilée. Hein. Ouais, nickel. Le petit release. Oula. Je vais trop lâcher, t'inquiète pas. Clac, c'est reparti. Ouais, nickel. Ah les gars, j'avais un peu perdu espoir là. Et puis on s'est fait attaquer là 2 minutes avant par le brochet là qui est sorti des herbiers. Et puis bah là je lance près de la berge là-bas et hop. Il devait être calé sous la touffe d'herbe là-bas verte je pense. Et il l'a suivi jusque milieu là et puis il a attaqué. Super. C'est pas du très gros mais c'est toujours plaisant.
En tout cas, je suis bien content encore une fois, le Spinner Bay qui fait la différence. Hein. C'est vraiment un leurre que j'adore, moi. Avec la palette qui tourne au-dessus et la petite jupe, franchement, je trouve que c'est un leurre qui a un compromis super entre vibration et en même temps nage. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc j'espère que la petite session vous aura plu. Ouais, on aura peut-être fait une petite session d'une heure, je pense, au leurre. Donc voilà, c'était sympa. On aura quand même fait, on aura quand même loupé deux beaux brochets, une perche. Et puis on aura fini par faire un beau brochet de 50 au spinner. Donc c'est vraiment super. Voilà, c'était histoire de le faire un petit coup au leurre tranquille. Je vais vous faire partager ma petite session. Donc voilà, j'essaie de vous faire une belle petite vidéo. En tout cas, je vous remercie encore une fois les gens qui s'abonnent à ma chaîne. On a dépassé les 520, donc franchement, je vous remercie tous. Franchement, j'ai pour objectif d'être à 1000 avant la fin de l'année. Ça serait vraiment super. En tout cas, je compte sur vous pour partager un max la chaîne. Moi, je fais un max d'efforts pour vous, essayer de faire des bonnes vidéos avec de la bonne musique et tout. Enfin bon, de diversifier un petit peu mes contenus. Parce que c'est pas toujours facile de faire du bon contenu quand on va à la pêche. On fait pas toujours forcément du poisson ou beaucoup de poissons. Donc parfois, les vidéos peuvent être un peu longues et où je parle pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc voilà, je vous remercie tous et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!